Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 mai 2021. Je suis dans un camping de la Haute-Loire, à la limite de l'Ardèche, à côté du Chambon-sur-Lignon. Le patelin s'appelle Mars et puis c'est le camping de la prairie. Il n'y a pas un chat. Une tranquillité. Un calme olympien. Il fait beau. Alors, ce matin, j'ai fait un tour de vélo jusqu'à Saint-Pérève. Je me suis arrêté au café Les Copains d'abord pour boire un picon bière. Bonjour les copains. Hein. Le picon à 4 euros dans la campagne, la cambrousse perdue dans la montagne, ça craint. Hein. Ben bon, je savais que dans ce bistrot, qui est une belle terrasse d'ailleurs, bah c'est le seul grand bistrot de Sainte-Agrève. C'était pas donné les articles. Hein. C'était pas donné. Hein. Il faudrait qu'ils éditent un catalogue pour choisir sur catalogue, hein, pour ne pas avoir des surprises. Bon, toujours est-il que j'ai fait peut-être 40 bornes de vélo dans la cambrousse, mais c'est quand même le plateau Ardéchois et le Haute-Loire, c'est quand même un joli plateau, hein, à 1000 mètres d'altitude, 1200 mètres. Ça fait de belles balades en vélo quand même, hein. Puis c'est tranquille. Il n'y a pas la foule, on va dire. Bon, comme d'hab, je bois mon apéro et puis je me fais une popote, ravioli et puis dindon de la farce. On peut constater. Là, je savoure mon apéro. En ce moment il doit faire 18 degrés à peu près, mais vraiment pas un bruit sauf les oiseaux qui chantent. Oh, les petits oiseaux qui sont beaux. La nature est belle, hein. Et comme je dis toujours, l'art est difficile. Alors, manque de bol ce matin, j'ai oublié d'embarquer ma rallonge électrique ainsi que la rampe pour brancher des appareils dessus. Bref, heureusement qu'avec le vélo, je suis allé à la grande ville, c'est-à-dire Sainte-Agrève, 1000 habitants en tout cas c'est. J'ai fait d'abord un super U, enfin un U. Même pas s'il est super, a eu, pas trouvé ce que je cherchais. Ensuite, il y avait un carrefour contact dans la périphérie de Sainte-Agrève. Alors lui, il était quand même bien mieux équipé. Hein. Heureusement qu'il y a ces petits supermarkets qui sont donc alimentés avec suffisamment de matériel. Et, d'accessoires et d'alimentation, on va dire. Voilà. Alors, bon, un petit tour sur mon vélo là. Je compte vraiment sur lui. Hein. Alors donc sur Carrefour Market, j'ai dû acheter donc une rallonge à rouleau là, à rouler.
J'ai couru dans les prix, je crois que c'était 12 euros ou 13 euros, ben c'était le double. Bravo, bravo l'artiste. Donc c'était dans les 25 euros, 26 euros là par. Et puis avec la rampe, ça m'a fait 29 euros quoi. Bravo l'artiste. Plus l'emplacement, mais là je regrette pas quand même. Sauf que, il paraît que la nuit ça gèle. Bon, on va voir si on se gèle les couilles, mais je suis quand même équipé électriquement au niveau de la borne, mais puisque j'ai acheté une rallonge et que j'ai des couvertures électriques et que éventuellement je pourrais lancer le Webasto. Bon, le Webasto, au pire, il fait un petit peu de musique hein, la nuit, mais bon, si on se gèle trop, je lancerai l'orchestre. Hein. Voilà, voilà. Après le labeur, le réconfort. Je suis maintenant en plein réconfort. Donc, apéro et puis délectation donc alimentaire. Mais pour peu que je termine, je pense qu'il va falloir faire une sieste après. Hein. Bref, ceci étant dit, je tiens ma référence et à bientôt, à la prochaine.